Ouais, j'ai vu. Après, je me suis dit, oh l'enfoiré, qu'on me gagne du temps. Après, tout. Bon, même j'ai été mieux. Allez,
gagnes combien? Deux victoires. Voilà donc victoire de Florian Vidal. Voilà, on arrête 24. Donc on va atteindre le second, donc Lionel Janton. Voilà donc on arrête. On arrête, voilà. C'est plus un village qui est également sur les circuits VTT. On arrête, voilà. Voilà Lionel Janton qui arrive pour la seconde place. Il est au fond là-bas. Qui a dû fasciner aujourd'hui. Devant Florian Vidal. Voilà, voilà. Bravo Lionel Janton. C'est bon, bravo. Bravo Nino, allez. Bravo Lionel. Bravo Lionel. Dominique Paquet qui a terminé. C'est fini. C'est fini Dominique. Donc on va attendre le troisième. On peut l'applaudir. C'est des jeunes qu'on va revoir, c'est des espoirs. Alexandre. Bravo Alexandre. Donc le quatrième, ça devrait être Guillaume 20, Guillaume de Salève. Voilà. Ah non, quatrième, c'est lui, c'est le 9, Gwenaël Morin. Le cinquième, c'est Guillaume 20, Guillaume de Salève. Voilà, bravo Guillaume. Et le sixième, Dylan Bassier. Bravo Dylan. Le 7ème, Tristan Nipponi, 51. Voilà, c'est fini. Donc les 4 mains sont ajustées au niveau du podium vu la remise des dossards. Les commissaires ont validé le classement des seniors, on l'affichera également. Et on attaquera la remise des prix des cadets juniors, féminines et seniors. Voilà, Laurent Reynaud qui en termine. Bravo Laurent. Et le dossard 11, Félix Coudelhomme de Saint-Étienne.
C'est lui, Florian Vidal. Florian Vidal.